This child is the one. There's the mark. There's no mistaking it. After that awful storm, too. However did you survive? You're a jolly one. What's this? Oh, you poor thing. Come here. Come here. Oh, there's no need to be frightened anymore. You're safe now, little fellow.
Thanks so much. You're a lifesaver. Trust me to lose my headscarf just before the big ceremony. So it's finally here, the big day. Looks like Sandy's keen to lead. Come on, best not keep her waiting. Bonjour à tous, c'est War29, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien. J'aurais tout aussi bien pu commencer la vidéo par Damn les gens, mais c'est pas ce que j'ai fait. Je vais commencer dès maintenant une aventure commentée sur Dragon Quest 11, les combattants de la destinée qui vient tout sortir en France cette semaine là. Alors cette aventure commentée, je vais la découper en plusieurs épisodes commentés bien sûr. Tous les épisodes porteront sur la quête principale. Je ferai peut-être des petits épisodes en plus pour vous aider à voir certains trophées. Et justement, si ça vous intéresse d'avoir tous les trophées, de platiner le jeu, puisque moi ça va être mon but au final, je vais vous mettre en lien dans la vidéo le lien vers la liste des trophées et vers le guide pour les avoir tous et pour platiner le jeu. En tout cas, n'hésitez pas à liker la chaîne, ce qui vous donnera une notification pour être au courant des prochaines vidéos. Puisque là, on est le week-end et je vais en profiter pour faire plusieurs vidéos. Je vous remercie et on profite déjà ensemble. Quand ce sera possible, je baisserai le volume du jeu pour ne pas être obligé de gueuler comme un dingue comme je fais maintenant. Damn ! Allez, c'est parti. Ok. Ah.
C'était tout simplement ici. Comme quoi, quand on n'est pas habitué à appuyer sur Start. Ah, c'est sympa. Alors. Folk of cobblestone, great land spirits, hearth and home. That's how it goes, isn't it? My granddad's been teaching me the prayer ever since I was little. He reckons the spirit of the land really does live on cobblestone tor, you see. As long as I can remember, he's been preparing me for this day. The day it would finally be my turn to climb all the way up there and offer my... I just wonder whose idea it was in the first place, sending the village's young folk on such a dangerous errand. What if I take a tumble and do myself a mischief? Well, not to worry. Since you and me were born on the same day, I'm lucky enough to have a bodyguard along for the journey. Come on, then. That craggy old thing won't climb its... Oh. Des gluants. Combat. Alors. Défense. Ouais, c'est pas forcément très utile. Ok. Chacun son tour ou quoi? Comment ça fonctionne? Attaque, on peut bien sait pourquoi il est orange. Tu attaques le premier peut-être. Ouais, Topaz. J'ai reçu 6 points d'expérience et 6 pièces d'or et une herbe médicinale. Crikey, I wasn't expecting that. Oh. And now we've got to go through that horrible dingy cave. Just our luck. I'll bet you anything that's where those awful things came from. Thank you.
Ah, bah tiens, un coffre, si vous l'avez pas eu. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme équipement? Alors j'ai l'épée de base. Ah. Avec une épée longue. Ok, qui prend mes deux mains. Du coup, j'ai plus de bouclier. On va mettre le foulard. La tenue. Ah, mais il y a équipement en tout. Ok. Ah, parfait. Parfait, parfait tout ça. N'hésitez pas à commenter. Oh, c'était quoi ça? Ok. On y va. Si vous vous approchez suffisamment d'un monstre, une petite flèche orange apparaîtra au-dessus de lui. Appuyez alors sur X pour lui donner un bon coup avec votre arme. Vous réduirez ainsi ses PV avant même que le combat ait débuté. En plus, il me semble qu'il faut en faire 30 pour avoir un trophée. Donc faites-le. Voilà. Alors c'était quoi de tactique? Tactique. Ok. Tough little blighters, aren't they? Visiblement, c'est un cul-de-sac qui est des cul-de-sac du coffre en général. Un objet. Une herbe médicinale, encore une. Ah, génial. Il est fort, le chien. Tough little blighters, aren't they? Ah, gagner un niveau. Alors, PV, force. Soin magique, puissance magique, charme. Qu'est-ce que j'ai appris? Ah, la flamme, j'ai appris le sort, la flamme. Pour l'utiliser dès le prochain combat. Notre ennemi là-bas d'ailleurs. Alors, la flamme. Vous aussi un seul ennemi avec une petite boule de feu. Ok. Ah,
J'ai obtenu la glugloute. Yes, je vais faire un coup critique ou un truc comme ça. Alors, nouvel ennemi. Un Piccolos. Alors, carré. Un escalier qui descend, on va aller voir ça. Ah oui. Je peux pas aller dans l'eau. Alors, décerné pour avoir collecté 10 objets différents, déjà. On n'est que 2. Bon. Ah, tourne-toi à toi. Voilà. Il se soigne. Ouais, t'es figé. Tiens. Tough little blighters, aren't they? Des brumes rage. En effet, ils ont l'air enragés. Hein. What? Il est fort. J'ai pas assez de points de magie, je pense, pour utiliser ma magie. Le figé va pas m'attaquer. Coup. Ah, et ça coûte 2. J'ai assez. Yes. L'autre est figé.
Ah, nickel. Ouais, 40 points d'expérience. Well done. Parfait, niveau 3. Oh, ça monte vite. I'm sorry, Gemma. I only came up here because I thought it'd be funny to jump out and surprise you. But then those monsters appeared. What in the world is going on? I never heard anything about... But never mind that now. Whatever were you thinking? You could have been yes, Gemma. Sorry, Gemma. You saved my bacon again. I knew you were tough, but... Not far to the top now. Allez, sur ce... J'ai un petit problème réseau, donc je vais tout de suite revenir. Je vais revenir du coup sur YouTube. Je pense que ça devrait résoudre mon problème réseau. On se dit à tout de suite pour le second épisode du coup.